Bonjour, vous connaissez sûrement Antigone. Bah oui, c'est la fille d'Œdipe et de Jocaste. Œdipe, c'est celui qui a buté son père, sans le savoir, et a fait l'amour tendrement à sa mère, sans le savoir, et a fini par se crever les yeux, quand il l'a su. Donc Jocaste, c'est la mère et la grand-mère d'Antigone, c'est ça? C'est pas sa tante? Mais non, c'est sa mère, vu que c'est la mère de son père et l'épouse de son père. Eh, j'ai rien compris. Viens, on passe à la suite. Ouais, vas-y. Donc, elle a deux frères, Éthiopre, Polynicé, et une sœur, Ismène. Ils ont des noms chelous quand même, hein. Ouais, ben bref, ses frères, ils sont trop bêtes. Parce qu'ils se sont entretués pour avoir le royaume à eux tout seuls. Créon, l'oncle d'Antigone, il en a laissé un mourir au soleil, et l'autre, il lui a organisé des énormes obsèques. C'est quoi des obsèques? Ouais, je crois que c'est des funérailles, un truc comme ça. Mais tout ce que je sais, c'est qu'ils l'ont pas enterré. Ah ouais, ensuite Antigone a essayé d'enterrer son frère. Ah ouais, je me souviens. Après, son oncle lui a fait la Elle a morale. même réessayé. Puis Créon l'a armuré. Elle ne l'a pas supporté et elle a fini par se suicider. Et son amour, Raymond, le fils de Créon, il a cassé le mur pour aller la rejoindre, mais il était déjà trop tard. Alors, il s'est suicidé et sa mère aussi. Puis Créon s'est trouvé seul. Et voilà ce que vous allez voir. Ce prologue touche à sa fin. Je vous laisse en réfléchir. Eh, vas-y, tu parles trop, je n'y vais. Quel sera-t-il mon bonheur? Quelle femme heureuse vivra dans la petite Antigone? Quelle pauvreté va-t-il qu'elle fasse, elle aussi, jour par jour, pour rester avec ses dents, son petit lambeau de bonheur. Si votre regard est bienveillant, celui d'en face aussi. Restez concentrés. Restez concentrés. Là, il y a une vraie qualité de concentration, ça fait vraiment plaisir. Merci. Donc on va le refaire. On va le refaire. Je veux rien entendre. Parce que le public, lui, ce qu'il veut entendre, c'est le texte. C'est pas la tchatche des uns et des autres. Et vous n'avez pas besoin de débiter. Hein. Pour l'instant, on n'est pas dans du texte avec du rap, etc. Vous n'avez pas besoin de débiter. Essayez de comprendre ce que vous dites déjà. Pour que nous, on puisse le comprendre. Et si tu le ferais, et si t'es comme ça parce que la pression va avec sa main devant moi, ça marche pas. Ok? On refait? Vas-y. Pourquoi veux-tu me faire taire? Parce que tu sais que j'ai raison. Pourquoi tu pas? Bah oui, non, je fais ça parce que pourquoi veux-tu me faire taire? Vas-y. Pourquoi veux-tu me faire taire? Parce que tu sais que j'ai raison. Tu crois que je n'ai pas dans ce que j'ai utilisé. Tu sais que j'ai raison. Mais tu es en train de défendre ton bonheur en ce moment comme un os. Le tien et le mien, oui, imbécile. Quelle sera-t-il mon bonheur? Quelle femme heureuse de vaincre la petite Antigone? C'est terminé. Quelle sera-t-il mon bonheur? Quelle femme heureuse de vaincre la petite Antigone? Je vous parle de trop loin maintenant d'un royaume où vous ne pouvez plus entrer avec vos rites, votre sagesse, votre ventre. Toi, tu l'as. Vas-y. Je vous parle de trop loin maintenant d'un royaume où vous ne pouvez plus entrer avec vos rites, votre sagesse, votre ventre. Devra-t-elle mentir? À qui sourire? À qui se vendre? Qui devra-t-elle laisser mourir en détournant le regard? On va reculer! Vite! On descend! Ça te gâte! Attention! Tes bras! En vrai? Ouais.
Après, c'est chacun dit sa phrase quand je parle. Vas-y. Non, je ne me tairai pas. Je veux savoir comment je m'y prendrai moi aussi pour être heureuse. Tout de suite, puisque c'est tout ce qu'il faut choisir. Vous dites que c'est si beau la vie. Je veux savoir comment je m'y prendrai pour vivre. Oui, j'aime aimant. J'aime un aimant dur et jeune. Un aimant exigeant et fidèle comme moi. Mais si votre vie, votre bonheur ne peut plus dépendre avec l'heure. Si Simon ne doit plus pas lire quand je pâlis, s'il ne doit plus me croire morte quand j'ai un retard de 5 minutes, s'il ne doit plus se sentir seul au monde et me détester quand je ris, sans qu'il sache pourquoi. S'il doit devenir près de moi le monsieur Simon, s'il doit apprendre à dire oui lui aussi, alors je n'aime plus Simon. Si, je sais ce que je dis, mais c'est vous qui ne m'entendez plus. Ah, je ris, crayon, je ris parce que je te vois à 15 ans tout d'un coup. C'est la même merde d'impuissance et de croire qu'on peut tout. La vie t'a seulement ajouté tous ces petits plis sur le visage et cette graisse que tu as autour de toi. Je pense que quand on pose notre regard dans les yeux de l'autre, alors il y a un effet miroir. Rend tout en chacun dans sa fragilité. C'est plus ça que je cherche. Leur permettre de comprendre que c'est à cet endroit de l'émotion que je veux les amener et que même s'ils ont envie de rire, ils peuvent se contrôler et ils peuvent contrôler leur émotion avant de pouvoir rentrer sur scène. On n'a pas envie de les brider, on n'est pas là pour faire la police. Au contraire, que ça crie, que ça joue, que ça chante, que parfois ce soit un petit peu... comme ça, c'est justement moi ce que je pense qu'il faut libérer. Et c'est en ça que du coup on travaille sur l'identité à cet endroit. Sans forcément pointer du doigt ça. Voilà. Allez, on y va. Il faut savoir que c'est mon ancien collège ici. Et que du coup ça crée aussi en moi une certaine. Une certaine émotion de pouvoir revenir là et de pouvoir transmettre des choses que j'aurais aimé qu'on me transmette à l'époque. Voilà. Pourquoi veux-tu me faire taire? Parce que tu sais que j'ai raison, tu crois, je ne lis pas dans tes yeux que tu le sais. Tu sais que j'ai raison, mais tu ne l'avoueras jamais, car tu es en train de défendre ton bonheur en ce moment comme un os. Le tien et le mien, oui, imbécile. Vous me dégoûtez tous avec votre bonheur, avec votre vie qu'il faut aimer, coûte que coûte. On dirait des chiens qui laissent tout ce qu'ils trouvent. Et cette petite chance pour tous les jours si l'on n'est pas trop exigeant. Moi, je veux tout de suite, et que ce soit entier ou alors je refuse. Je ne veux pas être modeste, moi, et me contenter d'un petit morceau si j'ai été bien sage. Je veux être sûre de tout aujourd'hui, et que ce soit aussi beau que quand j'étais petite, ou mourir. Nocturne danse. Donc ça va être aussi un grand moment pour nous puisque donc c'est ce qu'on appelle une première. C'est la première fois que la pièce qui va être présentée ce soir sera jouée en public. Ça s'appelle Acoustique. La chorégraphe s'appelle Sandrine Lescourant. Ça fait 2 ans qu'elle est en résidence ici au théâtre Louis Aragon. Et donc on est à la fois fébrile et heureux de pouvoir accueillir cette première ici avec vous ce soir.